après la petite séance d'étirement et de gainage que j'ai fait, d'ailleurs que je vais refaire cet après-midi. Petite pause au soleil, à la piscine, au calme. Vous voyez Léo Poulain qui dort, qui est achevé, il a fait une séance de jambes. Et vous avez, regardez bien ses cuisses de poulet. Oh là là, ça travaille dur. Donc voilà, donc petite séance. Ensuite, on va aller, je pense, manger, petite sieste, essayer de récupérer les affaires de Baptiste et la caméra qui sont toujours à l'aéroport. Là, on a checké un peu le calendrier des tournois. Il y en a toutes les semaines, ça ne s'arrête jamais. Mais il va falloir quand même que je prenne une semaine off pour récupérer un petit peu. J'ai pas arrêté depuis Toulouse, hein. J'ai tapé tous les jours depuis Toulouse. Il y a eu le voyage, 2 heures de sommeil, je sais plus quelle nuit. Donc là, repos, je ne tape pas aujourd'hui. Repos mental et physique. Et demain, on réattaque avec l'entraînement. Premier tour du tableau final de Monastir, le 15 000 $. Le tirage au sort s'est effectué hier vers 15 h. Je joue Maxence Boge, que vous connaissez puisque je l'ai joué à Toulouse au premier tour. J'avais gagné 4-6, 6-2, 6-2 et du coup là il est 7h30. Échauffement, vous savez c'est en fonction des rotations auxquelles on joue. Donc je joue en deuxième à partir de 9h30. Donc je joue vers, allez, entre 10h30, 11h, 11h30. Ça dépendra du match d'avant. Donc échauffement à 7h45. Je fais une petite dizaine de minutes avant. J'ai déjà fait des élastiques, des disques avant. Et puis voilà, je fais avec M. Léo Poulain, ici présent. T'es bien réveillé Léo, c'est bon? Parfait, super Léo. Et puis les breakers, donc je joue Maxence qui peut très bien servir. Il est assez puissant, il est assez. C'est un attaquant de fond de cours, on va dire. Donc il va falloir être solide, le faire déjouer un peu, faire des slices pour casser un peu le rythme et essayer dès que je peu en coup droit d'essayer d'être un peu dangereux. Donc voilà comment ça va se passer, on va filmer tout ça et je vous retrouve tout de suite sur le cours. When I needed you the most, I saw you running high. Oh, I remember how we used to run the street, yeah. I pulled a James, came from Akron with the heat, yeah. Man, I can't believe that I wasted all my energy on somebody who would turn into my enemy. But look, life is like a merry-go, cause round and round we go. Shame on me for trying to fix something that was broke. Hold up, one day we here, one day we gone. Thank you.
Et mon breaker, si tu kiffes la vidéo, n'hésite pas à mettre un petit like juste en dessous, appuie sur le petit bouton pouce. Sur cette chaîne, je te partage ma vie de joueur de tennis professionnel. Je reprends le circuit ATP. Si tu veux suivre le projet et être au courant dès qu'on sort une vidéo, n'hésite pas aussi à t'abonner à la chaîne, c'est important. Ouais, les Breakers, défaite malheureusement au premier tour, ça fait mal. 7-6, 6-3 contre Maxence Bauge, que j'avais battu à Toulouse, 4-6, 6-2, 6-2. J'ai joué avec le frein à main tout match, j'ai lâché je crois un coup droit dans le match au deuxième set, j'ai pas lâché un coup droit, un peu stressé. Vous savez quand on reste 5 jours à rien faire et à attendre justement le match, l'événement de la semaine, bah quand on y est du coup, bah j'étais un peu crispé pour le coup. J'ai pas lâché beaucoup de coups, j'ai pas lâché mes services. Voilà, j'ai pas. Voilà, 2 semaines un peu compliquées, j'ai pas beaucoup de résultats. C'est comme ça malheureusement, c'est le circuit ATP. Hein, c'est chaque semaine, c'est une nouvelle semaine. On sait pas trop à quoi s'attendre. 2 semaines pas top. Semaine à Toulouse, c'était vraiment top. Là, 2 semaines, vraiment pas génial. Voilà, donc là, j'ai pris les billets d'avion. On a un vol demain matin. Là, il est 14h. On a un vol le matin à 9h. Retour à la maison. Une petite semaine off. Et puis, voilà, va falloir que voilà, je prenne un peu de repos. Je pense une petite semaine, tout en m'entraînant physiquement, en allant m'entraîner au tennis. Et puis voilà, faut se dire que dans ce moment-là, faut se dire que c'est qu'un jeu, que c'est qu'un sport. C'est pas bien grave, il y a bien plus grave dans la vie. Voilà, je prends beaucoup de recul. Je suis pas content de moi parce que j'ai pas joué mon meilleur tennis, j'ai pas très bien joué sur le match. En revanche, Maxence a vraiment bien joué, je trouve. Franchement, pour le coup, il a joué complètement relaché. Je pense qu'il avait un statut d'outsider, vu que je l'avais battu à Toulouse et il y a 2 ans, je crois, en tournoi français. Et puis, vu le classement français, je suis un peu au-dessus de lui. Donc, bon, je pense qu'il a, il a lâché ses coups, ce que j'ai pas fait. Il a mieux joué que moi. Donc, voilà, très dur, un peu triste, un peu déçu, très décevant, je trouve. Mais bon, c'est comme ça, la saison est longue. Il y aura des bas, il y aura des hauts. Et voilà, on sera là pour fêter les hauts. Et puis, bah, les bas, on va essayer de faire comme Rafa.
quand il dit Rafa quand il perd, hein, c'est là où il s'entraîne encore plus, où il a encore plus envie. Et ben voilà, moi là, aujourd'hui ça va être compliqué, mais dès demain ou après-demain, je vais retourner à l'entraînement, motivé. Et puis comme j'ai dit, la saison est longue. Voilà, je suis super motivé, j'ai hâte de rejouer. Le prochain tournoi est à Angers. Quand on sortira la vidéo, normalement j'aurai déjà joué à Angers peut-être, ou alors ce sera le début d'Angers. Donc si vous êtes des breakers et que vous voulez venir m'encourager à Angers, ce sera avec plaisir. Plus vous êtes présent sur le cours et plus ça motive. Donc voilà les breakers, je vous retrouve dans un prochain vlog et je vous dis à bientôt. Il est 8h30, bien arrivé à l'aéroport. Baptiste a récupéré enfin, après 2 semaines de confiscation, son matériel audiovisuel. Comme vous l'avez vu, on n'a pas énormément de contenu sur les tournois à Monastir parce qu'on n'avait pas tout le matos. Voilà, on est avec Léo. On arrive à Lyon et pas à Paris parce qu'il n'y avait pas de vol pour Paris aujourd'hui. Donc on atterrit à Lyon. Ensuite, Baptiste va à Marseille. Moi, je vais à Paris. Et Léo va à Paris puis à Rennes. Donc pour moi, semaine off, je vais bien me reposer, je vais me réentraîner notamment sur terre intérieure pour préparer le nouveau tournoi qui est Angers. Je suis en qualif, je suis 24 dans les qualifs. Donc voilà, et hâte de vous retrouver les breakers ce tournoi. Des petits mots très courts, dans le vlog à Toulouse au premier tour justement contre Maxence, une phrase a été dite de la part de Léo, très maladroite, sauf que dans l'euphorie de la victoire, j'ai pas du tout capté que ça aurait pu blesser Maxence et ses proches, et quand je mets bien sûr à sa place, c'est une phrase qui a été blessante, donc je m'en excuse publiquement, je l'ai fait face à lui après le match, je me suis excusé, Léo s'est aussi excusé, donc voilà, et bien sûr, j'ai un immense respect pour tous les joueurs que je joue, bien évidemment, et je souhaite à Maxence le meilleur dans sa carrière tennistique. Et pour finir, mon breaker, si tu joues au tennis en tournoi et que tu es prêt et motivé à t'entraîner de manière plus efficace pour atteindre jusqu'à 5 classements par an, sache que tous les matins à 8h, je t'envoie un email rempli de conseils et d'astuces que je tire de mon expérience personnelle, mais aussi de mon expérience en tant que sparring partner à Roland-Garros avec les meilleurs joueurs du monde comme Roger ou encore Djokovic. Si tu es intéressé, bien sûr, tu as le lien en description pour rentrer ton mail et pour recevoir le prochain mail demain à 8h. Salut les Breakers!